Entrez. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Raphaël. Et je m'appelle Nolan. Et on fait partie d'une association qui s'appelle Cueilleurs de rêves. On va venir vous cueillir vos rêves. On va venir savoir ce que c'est vos rêves et vous poser des questions dessus. Petit cueilleur de rêves, ça veut dire... Y a un arbre à cerises, comme un arbre à cerises. Et sauf que là, il y a des rêves. Et puis, on prend une échelle et on les attrape. Tu le prends, tu le mets dans ta tête. Et puis, hop, ça rentre. On essaye de garder nos rêves dans la tête pour pouvoir après les dire. Tu demandes aux gens ce que c'est leur rêve et du coup, t'accueilles leurs rêves. Ils cueillent des rêves pour en avoir. Qui va attraper des rêves? Nous. Et comment vous allez attraper des rêves? Avec un attrape-rêve. Wow. C'est quoi ça? C'est toi qui peut m'expliquer ce que c'est ça? En fait, c'est pour quand la nuit, quand tu veux attraper des rêves, c'est un attrape-rêve. Quand tu veux faire un cauchemar, le cauchemar, il s'enlève et il va dans l'attrape-rêve. D'accord. Ce que j'allais dire. Alors, moi, j'ai une question que je me pose, c'est que cet attrape-rêve, est-ce qu'il peut attraper les rêves le jour? Oui, parce qu'avec le soleil, quand tu vas te réveiller et que tu auras un mauvais souvenir, ça va te l'attraper. Est-ce qu'il attrape les rêves le jour? Non, par exemple, si vous faites un rêve là tout de suite, il va l'attraper? Si, il en a attrapé un, j'en vois un moi dedans. Ben moi? Ah oui, c'est les perles. Oui. Deux. Il y a un rêve dedans, tu le vois? Non. Non. Ah oui, du rouge. Quoi?